C'est mon anniversaire. Tiens, c'est pour toi. Vraiment? S'il vous plaît, faites que ce soit ce que j'ai souhaité. Quoi? Un chien en peluche? Papa, ce n'est pas un vrai chien. Chérie, attends. Tu ne m'as jamais aimé. C'est le pire des anniversaires. Quoi? Quelqu'un a osé te laisser ici? On dirait un miracle d'anniversaire. Bonjour, toi. Je te ramène à la maison, d'accord? Allez, viens par ici. Bienvenue à la maison, petite boule de poils. Une seconde, papa va se fâcher. À gauche, allez! Mickey, c'est à toi de sortir les poubelles. Tout de suite? C'est tellement injuste. C'est pas trop tôt. À mon tour. Mais papa! Vas-y, allez. Je déteste ces stupides corvées. Et je déteste le jour des poubelles. Il fait déjà tellement sombre. J'ai peur. Qu'est-ce que c'est? Y a quelqu'un? Il faut que je sorte d'ici. Oh non! Cet endroit est hanté. Ne me faites pas de mal. Je suis trop jeune pour mourir. Coucou, je suis là, tout va bien. Waouh, tu m'as sauvé. T'es un gentil garçon. Rentrons à la maison. Viens, suis-moi. Fais comme chez toi, petit toutou. Papa va être en colère. À moi, la réalité alternative. Ça a l'air tellement vrai. On dirait presque un vrai chien. Il me lèche. C'est tellement incroyable. Oh non, il a trouvé le chien. Hé, hey, où est-ce qu'il est passé? Je ne comprends pas. Salut papa, à bientôt. Quoi? Pas de fourrure de chien? Ah, tchoum! Mais comment est-ce que... C'est pas possible! Est-ce vraiment de la fourrure? Comment cela se peut-il? Elle doit forcément provenir de quelque chose. Mais quoi? Est-ce qu'il est parti? Allez, viens, mon chien! Je ne vois vraiment pas. Achoum! Par ici! T'es un bon chien! Mais quelle haleine! C'est dégoûtant! Je sais, c'est l'heure du nettoyage dentaire. Tu aimes le goût du poulet, n'est-ce pas? Maintenant, ouvre grand. Oh, tu vois, c'est agréable. Ne bouge pas. Voilà, c'est beaucoup mieux. Bon travail, mon pote. Tu sens bon, en plus. Attends, c'est mon t-shirt préféré. Quoi? Non! Faites-moi voir ses pattes. Je dois faire quelque chose. Savon et brosse à récurer à la rescousse. Je mets ça juste là. Et j'ajoute de l'eau. Vous voyez cette mousse? Elle est prête à accueillir des petites pattes. C'est parti! Ça marche? Ça m'a l'air pas mal du tout. C'est tellement facile! Oh non! Je crois que je vais vraiment me fâcher. C'est papa. Ne fais pas un bruit. Fais comme si de rien n'était. Oui, papa? Je... Peu importe, j'ai terminé. Oh non! Mes sols! Et voilà mon thé. Dépêche-toi, je dois partir. Qu'est-ce qui te prend tant de temps? Tout ça, ce sont tes cheveux? J'ai pris beaucoup de vitamines. Ça fonctionne à merveille, tu vois. Ok, à plus tard. C'est tellement lourd! Ça va là-haut? Ça va faire mal demain. Mais je pense qu'il y a cru. Ne fais pas un bruit, d'accord? Qu'est-ce que tu as là? Moi aussi, j'aime les chips, tu sais. Ah, voilà, c'est fait. Attendez, je sais. Et j'ai besoin d'une faveur. Oui, c'est ça. Pendant que maman n'est pas là, le petit chien va s'amuser un peu. Est-ce qu'elle a tout mangé? Les humains sont tellement cupides. Il n'y a rien en dessous non plus. Toujours ce stupide téléphone. Très bien. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ce n'est pas de la nourriture. C'est vraiment inutile. Que se passe-t-il là-haut? D'accord, au revoir. Elle est tellement gentille. Oh non, qu'est-ce que t'as fait? Ma chambre est totalement saccagée. Papa va me tuer. Oh non, il arrive. Que se passe-t-il? Je ne comprends pas. Quoi de neuf, papa? On dirait que tu... Ouf, c'était moins une. Il est temps de sortir.
Les chiens sont vraiment désordonnés. Oh là là, je suis loin d'en avoir terminé, moi. Waouh, j'ai fait le plus beau de tous les rêves. Oh, bonjour. Qu'est-ce que j'ai faim? Attends-moi ici, je vais me préparer. Mais si papa vient ici... Reste en dessous, d'accord? Sois un bon chien. Est-ce qu'elle dort encore? Chérie, toujours en train de dormir? Elle a dû se coucher tard. Tu es fatiguée? Encore 5 minutes, d'accord? Ah, les adolescents. Je me souviens de l'époque où je pouvais dormir. Bonjour! Si tu es ici, alors qui est là-haut? Papa, attends! Ne rentre pas dans ma chambre, papa! On dirait que je t'ai enfin attrapé. Nom d'un chien! S'il te plaît, ne me punis pas. Mon ours en peluche? Quel soulagement! Tu essaies de me jouer un tour? Il s'en est fallu de peu. Où est mon chien? Reviens, mon toutou! Il n'est pas non plus en dessous? Où est-ce qu'il peut être? Pas là? Oh, où es-tu? Une seconde, mon placard. Te voilà! Je suis si heureuse que tu ailles bien. Gentil toutou. Ouais, j'ai toujours le truc. Et voilà la cerise sur le gâteau. Un régal pour le nez également. Ma veste. Mickey! Lâche ça, allez! C'est la veste préférée de papa. Donne-la-moi! J'arrive, papa. Merci, ma chérie. Elle te va super bien, oui. Très bien. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Juste un peu de poussière. Ma chaussure. Maintenant, ce sont des sandales. Attends une minute. Ma veste est pratiquement coupée en deux. Je le savais. C'est un chien. Mickey! Non! Attends, ce n'était qu'un rêve. Quelle prémisse intéressante. Ne me dis pas que... Pas de pelouse, pas de problème. Attends, non! Tu ne m'as pas dit que tu devais partir. Ton bureau n'est pas ici, mais à l'extérieur. Oh non, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Bien sûr! Je vais avoir besoin de ça. Et d'une paire de ciseaux. Ça va être génial. De toute façon, je n'utilise jamais ce machin. Voilà, c'est fait. Prêt à partir en balade? Par ici. À plus, papa, je vais me promener. Attendez, est-ce que c'est un... Non, pas possible. Et pourquoi mon pied est-il mouillé? Dégueulasse. Mickey! On y est presque. Je vais avoir de gros ennuis. Papa? Mickey, tu m'as menti. Je peux t'expliquer. Hé! Hey! Qu'est-ce que c'est? Doucement, le petit toutou. J'ai très mal à la tête. Regarde, maman. Certainement pas. Attendez un peu. Papa, s'il te plaît, s'il te plaît. Bienvenue dans la famille, mon grand. Oh. Donne-moi ta boîte. Bien sûr. Oh mon Dieu, prenez-la. Oh mon Dieu, quelqu'un à l'aide, s'il vous plaît. Oh. 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 Oh mon Dieu, tu es le meilleur chien du monde. Oh mon Dieu, chérie, que s'est-il passé? Maman, ce chien m'a sauvé, on peut l'adopter. Oh, bien sûr. Oh, laisse-moi sortir. Oh, qu'est-ce que tu veux? On vient juste de rentrer. Mais ma vessie me dit le contraire. Laisse-moi t'apporter des jouets. Je ne peux pas me retenir plus longtemps. Je suis de retour. Les conséquences. Qu'est-ce que je vais faire? Je pars à la plage. Maintenant, allons chercher des bonbons. Entre, mon garçon. Le sol est propre. Le système s'éteint. Ah, on doit sortir d'ici. Je vais te montrer.
Attends, qu'est-ce que tu fais là? Et j'ai apporté pour toi une robe de chambre spéciale et des shampoings. Il doit être en train de plaisanter. Ah, allez, mon garçon, prends-les. Mec, je peux pas prendre une douche tout seul. Pourquoi tu ne veux pas te laver? Tu veux que je te rejoigne? Allez, maman a dit de se laver. Tu as besoin un peu de... Je vais le faire. Elle sait ce qu'elle fait. Oh. Je veux un peu de ça aussi. Oups, je n'ai pas l'air aussi bête. Bon appétit. Mais qu'est-ce qui ne va pas, mon garçon? Oh, tu as peur d'une petite assiette de chat? Hein? Miaou, miaou, miaou. Les enfants, allez, asseyez-vous à côté de moi. Être transporté à droite et à gauche, c'est trop trop chouette. Et donc, Blake, c'est ta chambre. Vas-y. Oh, c'est confortable. Je pourrais m'endormir ici n'importe quelle minute. Oh, j'ai besoin de dormir. Ah. Oh, Blake! Oh, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, ses rêves deviennent incontrôlables. Il est temps de me reposer. Blake! Pauvre petite chose, je ne peux pas te laisser comme ça. Laisse-moi arranger ça. Parfait! Cette femme pense à tout. J'ai trop bu d'eau aujourd'hui. Ah, ça fait du bien. Ok, retour au sommeil maintenant. Blake, il est temps de se rafraîchir. J'ai pas besoin de ça, mec. Je suis pas humain. J'ai des droits comme chien, ok? Tu ne peux pas juste m'amener ici et... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Je veux partir. Et j'ai besoin de faire caca. Oh, tu veux aller chez le coiffeur? Oh oui, tu veux! Tu ne comprends rien, n'est-ce pas? Où es-tu? T'inquiète pas, je suis là. Salut, mon beau. Qui es-tu? Fais attention avec ça. Incroyable. 5 dollars, s'il te plaît. Eh bien, tu les mérites. Bonjour Blake. Wow, je ne me réveille jamais aussitôt. Allez Blake, on y va. Toi, réveille-toi. Où sont-ils? J'ai besoin de les retrouver. Mademoiselle, mademoiselle, votre fille est partie. Ne t'inquiète pas, Blake l'a réveillée. Bonjour. Ah, ok alors, je vais aller préparer le petit déjeuner. Pas besoin. Quoi? Pas la peine, Blake a fait le petit déjeuner. Gentil. C'est mon travail. Tu ne peux pas le faire mieux que moi. Je connais ton point faible. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais dire. Ça devrait le faire. Ah, c'est une friandise? Tellement de friandises. Alors, tu es le préféré, hein? Vous êtes folle, madame. Pourquoi est-ce que vous... Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce que tu as fait? Blake! Ce n'est pas moi, c'était elle! Voyons voir qui ment. Oh non! Oh non!
Je ne vais pas payer pour ça. Est-ce que tu aimes ça? Ou peut-être ça? Oh, les amis, je suis tellement fatiguée de tout ça. Il est parti trop longtemps. Choisis ça. Quelqu'un m'appelle. Où est-il allé? Blake, non! Te voilà! Qu'est-ce que vous faites avec lui? Tu as trouvé mon chien? Oui, c'était moi. Je l'ai trouvé. Pas maintenant, Léo. Demande-lui de sortir avec toi. Oh, ouais. Tu veux faire un tour? Ouais. Est-ce qu'ils m'ont juste laissé ici? Les amis, attendez! Oh, le prix de l'action de la saucisse a augmenté. Blake! Blake! Oh, te voilà. Demain, on va aller à l'école. Mais on a besoin d'un bon déguisement. Ah, ça va pas marcher. Oh non, je dois encore l'aider. Comment je peux faire ça? Oh, Blake, c'est une bonne idée. On va aller à l'école. J'ai toujours voulu aller voir l'école. Les chiens sont interdits. Oh. Hein? Pas de snack à l'école. Vas-y, rentre. Je ne vais pas te donner mes chips. Bonjour, monsieur le proviseur. Aucun chien aujourd'hui, Gary? Non, monsieur. Bien. Il n'y aura pas de chien dans mon école. Désolé. Tu as besoin d'air. Je sens quelque chose de délicieux. Blake, non! Miam, je l'ai. Achou! Oh, des allergies! Est-ce que quelqu'un a amené un chien? Qu'est-ce qu'il y a dans votre sac? Il pourrait faire froid dans la soirée. Achou! Oh, éloignez-le de moi. Oui, madame. Bonjour, la classe. Dites-moi, est-ce que quelqu'un a apporté un chien? J'ai vraiment faim, là. Tôt ou tard, je trouverai le chien. Tous les chiens aiment les friandises. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi c'est là? Vas-y, là, va à l'intérieur, vas-y. Bingo. Oh, il n'y a personne. C'est important de ne pas aboyer maintenant. Oh, je n'ai pas pu me retenir. Je t'ai. Blake, hein? Regarde qui j'ai trouvé ici. Le chien rentre à la maison. Et toi, tu es puni. Regarde. Ça. C'est ta première fois ici? Non. Wow. Et j'ai amené mon chien une seule fois. Tu as un chien? Oh, j'adore les animaux de compagnie. Regarde. C'est qui le bon garçon? Il faut que je sorte d'ici.
aucun moyen de sortir d'ici. Ah, j'ai encore trop salé. J'en mettrai moins la prochaine fois. Oh, Zach a besoin de mon aide. Oh, je ne peux pas le regarder, il est si triste. Ah, je dois prendre la clé. Un, deux, trois cookies, quatre biscuits, tellement de cookies, oh mon dieu, mon dieu! C'était plus facile que je ne le pensais. Pourquoi est-ce qu'ils engagent ces gens? Papa, je peux avoir un chat, s'il te plaît! S'il te plaît! On a un chat à la maison! Oh, mais c'est vrai! Regarde comme il est mignon! Oh, mais c'est qu'un jouet, ça! Oh, j'aimerais tellement que tu sois vivant! Bon, allez, je vais te donner un bain! Oh, mais tu es vivant! Les chats ont horreur de l'eau, ma belle! Pourquoi tu fais ça? Tcha! Grace, tu n'aurais pas ramené un chat à la maison par hasard! Un chat? Non! J'ai joué juste avec mon chat en plastique! Il ne faut pas que papa s'en aperçoive. Tu vas rester avec moi. Attends là, je vais construire une petite maison rien que pour toi. C'est parti. Ciao, ciao les jouets. Il me faut un peu de place pour Misty Gris. Je n'ai plus du tout besoin de toi. Oh. Ciao, ciao. Ça va ressembler à un château. Bien sûr, il faut qu'il soit rose. Dernier coup de pinceau et voilà. Je me demande sur quoi aimerait marcher mon matou. Ce gazon artificiel fera parfaitement l'affaire. Parfait pour elle. Oh, mes gadgets sont là. Merci, là, la livraison. Les chats adorent les cartons. On va les recycler. J'ai vu un tuto bricot sympa là-dessus. Elle doit pouvoir tout voir depuis sa cabane. Il lui faut juste une fenêtre. Oh, Peck! Maintenant, je vais regrouper les cartons pour lui faire plusieurs pièces. Elle aura de nouveaux petits coins douillés à elle toute seule. Un chat adore les coins comme ça. Oh oui, Misty Gris aura besoin d'un tapis. Et bien sûr, on le peint pour qu'il soit incroyable. Oh, c'est tellement mignon. Waouh, le rose, c'est ma couleur préférée. Tu as de très bons goûts. Oh, des autocollants en forme de chat. Même si elle ne se sent pas seule. Trop chou, des copains tout autour du tunnel. Ça donnerait quoi si je mettais des autocollants d'humains mignons partout dans ma chambre? Papa l'adorerait. C'est dommage qu'il ne puisse pas savoir. Vous avez vu? L'endroit idéal pour elle. Youhou! Oh, elle aura besoin d'une autre forteresse plus tard. Wow! Ah, ah! De l'eau pétillante pour cette petite reine. Ouais, ouais. C'est super facile à installer. Et fini. Ouais. La fontaine, je peux la mettre où? Je sais. Les chats adorent grimper partout. Et ça lui fera un beau panorama. Solide étagère. La place idéale, en somme. Waouh, c'est une vraie fontaine. Mais on peut y boire. Oh, elle va adorer. On ajoute de la déco. C'est tout doux. Juste au cas où quelqu'un n'est pas au courant qu'on peut boire à la fontaine. Elle est trop rafraîchissante. Hein? Qui est-ce? On n'attend personne. Bonjour, un colis pour votre chat. Nous n'avons pas de chat. Ça c'est pour moi. Peut-être que c'est pour ce chat-là. Désolé, nous n'avons pas besoin de nourriture pour chat. Au revoir. Mais vous l'avez commandé. Au revoir. Grace, de la nourriture pour chat? T'es sérieuse? Oh, j'espère qu'il ne va pas rentrer. Attends, attends. Oh, c'est l'heure de fabriquer un jouet pour qu'elle se passe les griffes. Oh, un pilier sur un socle en bois. C'est lourd, mais ça plaira à Misty Gris, à mon avis. Je vais fabriquer le meilleur jouet du monde. On enroule le fil tout le long du pilier. You spin my head round, round and round. On vérifie que c'est assez serré, on le peint et on met une cloche dessus, comme ça. C'est le plus mignon et le plus rigolo des jouets. Misty Gris va l'adorer. Oh, désolé papa. Très intéressant ce livre. Je vais te faire un lit, Misty Gris. Ses chaussettes sont assorties et elles s'étirent facilement aussi. On va leur donner un petit coup de ciseau. Je suis certaine que Misty Gris rentrerait dedans sans problème. Quatre morceaux. Maintenant, on y met le coussin. On attache les chaussettes.
Et voilà le parfait hamac. On peut le soulever et l'accrocher là. Ah! Ouh! Un nouveau copain pour Miss Tigri. Oh, trop confortable. Oh, mais qu'est-ce qui sent mauvais comme ça? Oh! Hein? Ça pue trop! Il faut te mettre au frigo. Heureusement que j'ai trouvé ça! Un mini-frigo. Je l'emmènerai en soirée pour les sodas et les snacks. J'adore ces lumières. Mais la pâtée pour chat ne peut plus attendre. De toute façon, votre place est ici. Et des plantes aussi. Ça fait comme un petit coin cuisine. Ah, oh, je suis trop forte pour ça. Miaou, miaou. Viens me gâter. Je vais te faire une télé. Oh, j'ai une super idée. Tiens, je t'ai fabriqué une télé. En carton. Un carton rose bonbon. Je vais faire une coque pour l'iPad. On n'oublie pas les autocollants, évidemment. Comme ça. On met l'iPad dans le cadre. Et voilà! On va se faire plein de soirées ciné ici. Là, ça peut être le salon. Ensuite, ce truc-là! Ouais! Ton nouveau plumeau en jouet! Parfait pour une salle de télé! Le dernier sticker. La vache! Quel canapé confortable! Maintenant, voyons comment le sable de litière pour chat fonctionne. Donc, le liquide devient solide. Et avec une pelle en plastique, non! Avec ce gadget spécial, on remue plusieurs fois et on le déverse dans le sac. Burk, l'étape la moins sympa. On enlève le sac et on le jette à la poubelle. C'est bien parce que c'est toi, ma chérie. Heureusement qu'il y a des gens pour faire des gadgets comme ça. Ah, voilà. Allez, on continue. Oh, miam miam, des bonbons, miam miam. Hein, un bocal? Oh, je peux en faire quelque chose. Les bonbons, ça peut attendre. Pour ça, il va me falloir un peu d'eau. Je vous jure, ça va être trop beau! J'adore les aquariums. Des cailloux pour la déco. C'est indispensable dans un aquarium. Quelques fausses plantes qu'on met bien au fond. Et les petits habitants de l'aquarium, bien sûr. Ce sont seulement des jouets. Ouais! On les met tous dedans. Non! Waouh! J'ai réussi, Miss Tigri! Bon, au moins c'est bien décoré ici. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Je sais! Un petit coin détente pour elle. Là, ce sera nickel. Je vais le remplir de balles en peluche multicolore. Super, c'est trop chou! Encore des joujoux pour toi! Cet avocat à tourner te détendra. Je vais t'aménager ta salle de jeu, tu vas voir. Pouf! Et évidemment, on n'oublie jamais de mettre une chouette photo. Là, sur l'étagère du haut, ma belle. Et une boule à facettes pour faire des soirées jusqu'au bout de la nuit. Miss Tigri, Miss Tigri! Que la fête commence! Visite de la discothèque, ouais! Une fontaine à eau potable. Un lit douillet et moelleux. Un coin cuisine avec de la verdure. La meilleure salle de télé pour chat au monde. Une salle de jeu ultra moderne, haute en couleurs. Waouh! Et j'ai encore mieux. Oh, cette balle à gratter que j'ai achetée sur internet. Il y a même un socle en bois. Un jouet qui tourne pour que le meilleur de tous les chats se fasse les griffes. On a aussi ce joujou dernier cri rien que pour toi. On l'allume et on joue. Oh, si on le pose par terre, il bouge encore. Tu vas pouvoir t'amuser pendant des heures. À quoi ça sert, ça? Oh, ça marche pas. C'est parti. Oh. Aïe. Oh, oh. Quoi? Oh, salut. Hein? Oh, c'est un robot pour jouer. C'est l'heure de jouer. Ha, ha, ha. Oh, oh, j'ai la tête qui tourne. Ça suffit. Dernier jouet. C'est lourd, dis donc. C'est pas de la haute technologie. Waouh! Ça s'étire à l'infini, ce truc. Waouh! On peut faire n'importe quelle forme avec. Un cercle, c'est l'idéal. Et maintenant, on peut faire rouler la petite balle à l'intérieur. Et c'est encore élastique. C'est vraiment cool. C'est pour les chats, mais ça existe aussi pour les enfants.
Oh, tu faisais dodo. Mes appartements privés sont-ils prêts? Oh, voilà pour toi. Ce château est pour moi? Waouh, ma grande, tu es très douée pour ça. Un hamac? Cool. Oh, je vais pleurer. Même Hello Kitty n'a pas un tunnel pareil. Oh, c'est quoi ce truc violet qui brille? J'ai envie de le frapper toute la journée. Une balle dans un carton? Génial! Hein? Où en suis-je? Nom d'un chien, je sais pas par où commencer. Un bol à coussin rien que pour moi? T'as vraiment pensé à tout! Maintenant, passons à l'autre pièce. Oh, j'adore cette jolie salle de télé et cet engin. Et si j'ai une petite soif, j'ai une fontaine privée. Je le répète, Grace, c'est un super coin télé. Quoi? De la pâtée pour chat toute fraîche? Waouh, je suis au paradis des félins, là. Les poissons sont bizarres, mais personne n'est parfait. Oh, c'est quoi, ça? T'es vivant? D'accord. Je vais inaugurer ce tunnel. Il n'y a aucune intimité ici. Trop confortable, très, très confort. Elle aime beaucoup, je crois. Grace, qu'est-ce que c'est que ça? C'est moi qui l'ai fait. Fais-moi voir. S'il te plaît, ne me crie pas dessus. Mais c'est génial! Hein? Un papillon! Ouh. Qu'est-ce qu'il y a là? Non! Hein? Quoi? Quoi? Et mon intimité? Oh non! C'est trop chou! Oh, sérieux? Je vais devoir prendre mes médicaments. Ouais! Hein? Avec qui dois-je jouer aujourd'hui? Moi, bien sûr. C'est beaucoup mieux. Bien sûr, cela va ici. Je danse. Ah, parfait pour la vaisselle. Essayons-la. Le goût est bon, mais mes cheveux. Et voilà! La dernière édition de Barbie. Bye bye, vieille Barbie. Où suis-je? Regardez mon horrible visage. Il faut changer ça. J'ai juste besoin de tout retirer. Il faut d'abord étirer un peu le cou. Je ne peux pas ressembler à ça. Heureusement que je suis la Barbie exterminatrice de boutons. Je vais me débarrasser de vous tous. Vous verrez. Il est temps d'épiler les sourcils. Je veux ressembler à une actrice. Et voilà, c'est super beau. Hé, mes yeux ne sont pas verts. Cela va beaucoup mieux maintenant. Et pour le grand final, ce masque facial fera l'affaire. Le rose est ma couleur préférée. Il faut tout peindre. Et maintenant, on peut tout enlever. C'est déjà tout autre chose. Voilà qui essaie mieux. Mes cheveux sont vraiment affreux. Le blond été est définitivement ma couleur. J'ai entendu dire que la frange était de nouveau à la mode. Je vais certainement remporter un Oscar pour avoir été aussi belle. Ces épingles à cheveux sont mignonnes. Voyons si cela a fonctionné. Je suis à nouveau moi. Je tiens à remercier tous ceux qui ont cru en moi. J'ai besoin d'un encas. Génial, une poubelle. Qu'est-ce que c'est? J'ai faim. Ça chatouille. Attends, je ne te fais pas peur? Je m'en vais. Au revoir, ami parisien. Non, ma robe. J'ai besoin d'une nouvelle jupe. D'accord, je vais me servir de ça. Il manque cependant quelque chose. Oui, c'est tout à fait ça. Avec suffisamment de ces produits, je peux faire une jupe et faire la couverture d'un magazine de mode. Je suis prête pour faire la fête. Je peux même danser avec. C'est une Barbie bizarre? Pourquoi est-elle si belle? J'ai l'impression que quelque chose cloche. Je sais ce dont tu as besoin. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas froid, Barbie? Ne t'inquiète pas, ce manteau est super serré. Je veux dire chaud! Non, je ne peux pas bouger. Mais je peux faire ceci. Oui, je suis à nouveau libre. On devrait m'appeler Miss Indépendance. C'est moi ou est-ce qu'il fait vraiment chaud ici? Qu'est-ce que c'est? Du pain? Pourquoi il ne pourrait pas pleuvoir des licornes pour une fois? Elle mange comme un vrai cochon. La pluie de pain n'est pas si mal finalement. Je ferai n'importe quoi pour avoir un sandwich là, tout de suite. Ça fera l'affaire.
Miam, du bon fromage. Lâche-moi, petit rongeur. Mon précieux. Voilà, c'est mieux comme ça. Pressez-le avec conviction. J'en veux encore! 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 C'est de cela que je parle. Et maintenant, un peu de couleur. Quelque chose de rouge, quelque chose de bleu. Faites-moi confiance sur ce coup-là. Vous ne le regretterez pas. Barbie ne mange que de jolies choses. J'adore les repas en forme de cœur. Nous n'avons pas besoin de cela. Ensuite, c'est le tour du fromage grillé. C'est trop mignon. Ouvrons-le! C'est le meilleur moment de l'émission. Je vous avais dit que ça valait le coup. C'est l'heure du repas. Je le suis rassasié. Qu'est-ce que c'est? J'ai vu une autre Barbie boire ça. Préparons un chocolat chaud. Je crois que j'ai besoin de lait et... de cacao, bien sûr. Quelque chose ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous laisse une main normale. Je crois savoir ce dont j'ai besoin. C'est là, quelque part! Pas un rat. Un sifflet? Non! Un masque de plongée. Oui, c'est ça! 20 000 lieues sous les mers. Waouh! Une boîte à trésors! Je savais qu'il était là, quelque part. Un gobelet mélangeur. C'est ce qu'il me faut. Est-ce qu'il y a le mode d'emploi qui va avec? J'espère que j'arriverai à faire fonctionner ce truc. Je n'ai rien renversé. Et c'est parti. Ça marche? J'ai des vertiges. Buvons-le. C'est tellement bon. Cela n'était pas censé se produire. Maintenant, il faut que je nettoie tout ce bazar. Comment est-ce que je vais nettoyer ça? Il va me falloir une nouvelle paire. Celles-ci ne vont pas ensemble. Pas de jaune avec mon teint. Je ne vous perdrai plus jamais. Elle s'accorde parfaitement avec ma tenue. Rendons-les encore plus amusantes. Maintenant, on dirait de vraies sœurs. Il leur faut des mains. Je sais comment faire. Six petits aimants feront l'affaire. Fabriquons une chevelure aimantée. Vous avez l'air en pleine forme maintenant. Salut, petite sœur. Hey, salut, beauté. Donne-moi ta main. Tu m'as manqué. Et si on faisait la fête? Youpi, génial! Barbie, attention! Qu'est-ce que c'est que ce truc sous ma chaussure? J'ai une idée! Faisons un peu d'art. Passez un coup de pinceau avec une belle peinture bleue ici. Assurez-vous de tout recouvrir. Il faut que ça colle. Alors, ne soyez pas timide. Roulez sur toutes les paillettes que vous possédez. Cela va être génial! C'est un macaron à paillettes. Pour vos chaussures! Et encore un autre, et encore un autre. Elles ont l'air tellement plus cool maintenant. Et je suis prête pour le défilé. Un pompon pour la touche finale. Je veux dire, des tas de pompons. Ne sont-ils pas merveilleux? J'adore. Je sais que les paparazzis vont adorer. Faisons une promenade pour voir. Barbie, montre-leur de quoi tu es capable. Tu déchires, ma fille. Au secours! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle fait, cette étrange fille? Cassie sait que c'est que ce bazar. J'ai toujours voulu en avoir une. Il s'agit d'une édition limitée. Viens ici, jolie Barbie. On va jouer. Je veux aussi une maison comme celle-là. Et je vais en fabriquer une. J'ai besoin de quelque chose de plus grand. C'est tout. Ce n'est pas très difficile à couper. Les Barbies savent aussi scier. J'adore les zigzags. Ça a l'air bien. Et si je m'allongeais? Et que je faisais un burrito de Barbie? Je plaisante. C'est l'un des piliers de la nouvelle maison. Quelle est la prochaine étape sur la liste? Vérifions le plan. Oups! Même un génie ne pourrait pas comprendre cela. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Il est juste dit d'utiliser un peu de magie. Je pense que j'ai besoin d'une porte d'entrée. Pouf! Pouf! Qui aurait cru que la construction était si amusante? Est-ce que je dois défaire de mes cheveux comme réponse? Y a-t-il un beau prince quelque part? J'adore ma nouvelle maison. Il faut juste y apporter quelques modifications. Et voilà! Et un drapeau rose. Non, je ne peux pas atteindre le sommet. Heureusement que j'ai des bras amovibles. J'ai l'impression d'être Superman. Cela semble parfait. Encore un, ici. Et voilà, tout est en ordre!
Jetons un coup d'œil à l'intérieur. Bienvenue dans mon humble demeure. Je me sens comme une reine. Chaque reine a besoin de ses flamants roses, bien sûr. Tout semble parfait d'ici au royaume de Barbie. Je dois changer ça. Tout d'abord, vous aurez besoin de l'un de ces rouleaux. Remplissez-le de paillettes. Et voilà. Et maintenant, la magie peut commencer. Pulvériser des paillettes dans tous les coins. Je veux voir des paillettes partout. Je pense que j'ai fait du bon travail. Nous pouvons la rendre encore plus belle. Faisons de la peinture. Je vais commencer par mettre un petit peu de bleu. Ma maison a besoin d'un toit. Puis, je vais faire une petite étoile jaune. Que diriez-vous d'une médaille d'honneur? Ça va être génial. Il a l'air magique, n'est-ce pas? Je vous avais bien dit que je savais quoi faire. Tout est terminé. C'est magnifique. Non, il ne peut pas pleuvoir ici. Qu'est-ce qu'il se passe? Il pleut? Cette humaine est vraiment maladroite. Il ne faut surtout pas que je me mouille les cheveux. Ceci devrait fonctionner. J'ai une idée. J'espère que ce truc va fonctionner. Voilà, fini la pluie à l'intérieur. Pas mal. Je sais. J'ai besoin de lumière là-dedans. Petite étoile scintillante. Elle sera ainsi aussi brillante que les étoiles. Vous voyez? Je vous l'avais bien dit. Je peux voir la Voie lactée d'ici. J'adore dormir à la belle étoile. C'est très beau. Cela me donne envie de dormir. Je pense que j'ai trop travaillé aujourd'hui. J'ai besoin d'un oreiller. Cela pourrait peut-être fonctionner. Ce n'est pas confortable. Non! Je dois mettre quelque chose de moelleux à l'intérieur. Je peux peut-être atteindre l'extérieur. Allez! Je dois me balancer plus fort! Une chaussette toute douce. Je suis prête à sortir. Où est ma deuxième chaussette? Ne regarde pas en bas, ne regarde pas en bas. C'est exactement ce dont j'avais besoin pour ce soir. Je vais enfin pouvoir faire une bonne nuit. J'ai envie qu'il soit encore plus joli. Je mérite ce qu'il y a de mieux, enfin. Il a l'air tellement mignon. Et voilà mon pote. Enfin, c'est l'heure de mon sommeil réparateur. Fais de beaux rêves, Barbie. C'est ma chance d'entrer dans le château. Elle n'a pas de gardien. Je vise directement l'or. Dors bien, Barbie. Pourquoi l'alarme s'est déclenchée? Oh ouais. Et y a-t-il quelqu'un? Non, je me suis fait prendre. À l'aide! Qui pourrait me protéger? Je sais. Je pense que ça devrait fonctionner. Il faut que je fasse un crabe plus gros. De cette façon, le petit gars aura peur. Et des élastiques. Mais il ne peut pas rester là comme un épouvantail. Cela le fera bouger aussi. C'est presque prêt. Ça va aller, petit crabe. Maintenant, tu vas me protéger. Et c'est parti! Tu dois aller là-bas et battre ce type. Je te confie ma vie. Viens ici, petit crabe bon marché. Vas-y. Approche, mon pote. Allez, Krabby, tu peux le faire. Tu ne peux rien contre moi. Non, Krabby. J'ai gagné, Barbie. Tout m'appartient à présent. Tu as voulu jouer, tu as perdu, ma grande. Qu'est-ce que c'est? Enceinte? Mon oreiller. Bien sûr, nous devons procéder à une intervention chirurgicale. Bien, je dois voir à l'intérieur. Préparons-la pour l'opération. Commençons! Je te promets que tu ne sentiras rien. J'ai des doigts de fée. J'ai appris cela à l'école des Barbies. Ma vie est entre tes mains, Barbie. Tiens bon! Merci, Crabbe. Je pense que nous sommes prêts. Enlevons ça. C'est un garçon. Félicitations. Attendez un peu. Il est tellement beau. Est-ce que c'est mon prince charmant?
Arrête de rougir, Barbie. Bonjour, Barbie. Tu veux bien m'embrasser? Tu veux que je t'embrasse? D'accord. Finalement, j'aime bien ta façon d'embrasser. Tu n'es pas mon genre. Tu peux embrasser le crabe. Burke, qu'est-ce qu'il bave? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu ne peux pas me mettre à la porte. C'est ma maison. Oh, une autre boîte. Je crois que j'ai trouvé ma nouvelle maison. Cette boîte a l'air confortable. Ma nouvelle maison. Reculez, monstre stupide! C'est ça qu'on est piégé! Ne t'inquiète pas, bébé. Oh, tu es mon sauveur. La fille de mes rêves. Oh. Désolé, mais les chiens ne sont pas autorisés à l'école. Salut, Luna. Oh, regarde comme ils sont mignons. Trop mignons. Celui-là est si doux. Trop mignon. Je ne vois pas. Quoi? Oh, elle aime les chiens. Blake! Oh, le prix de l'action de la saucisse a augmenté. Blake! Blake! Oh, te voilà. Demain, on va aller à l'école. Mais on a besoin d'un bon déguisement. Ah, oh, ça va pas marcher. Oh non, je dois encore l'aider. Comment je peux faire ça? Oh, Blake, c'est une bonne idée! On va aller à l'école. J'ai toujours voulu aller voir l'école. Les chiens sont interdits! Oh. Pas de snack à l'école! Vas-y, rentre! Je ne vais pas te donner mes chips. Bonjour, monsieur le proviseur. Aucun chien aujourd'hui, Gary? Non, monsieur. Bien. Il n'y aura pas de chien dans mon école. Chut, désolé. Tu as besoin d'air. Je sens quelque chose de délicieux. Blake, non! Miam, je l'ai. Achou! Oh, des allergies? Est-ce que quelqu'un a amené un chien? Qu'est-ce qu'il y a dans votre sac? Il pourrait faire froid dans la soirée. Achou! Oh, éloignez-le de moi. Oui, madame. Blake. Je vais te sauver. Je vais bien, je vais bien. Ok, bien alors. Elle ne peut pas me voir comme ça. Ah, au moins, elle ne m'a pas vu comme ça. Hey! Tu as un chien? Oui. On peut le caresser. Oh, ils sont comme des petits enfants. C'est dégagé. Hey! Oh, ok, Blake, allons-y, allons-y. Bon garçon. Hein? Oh non! Oh non! Oh non, 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 non! Hein?
nous devons te cacher quelque part. Assieds-toi ici et reste en silence. Il aurait pu me laisser quelque chose à lire. J'aurais pas dû manger ce sandwich. Tu m'as sauvé. Ouais. Peut-être tu veux sortir un jour? Ouais. Retrouve-moi au parc à 5h. Nous sommes en retard. Oui. Pourquoi le sol est mouillé? Est-ce que quelqu'un a amené un chien? Qui est là encore? Oups. C'est ça, va t'occuper de tes affaires. Hey. Oh, désolé, une allergie. Où sont mes lunettes? Ok, en avant. Quel est le logarithme base 2 de 4? C'est bien. Bien sûr. Bonjour, la classe. Dites-moi, est-ce que quelqu'un a apporté un chien? J'ai vraiment faim, là. Tôt ou tard, je trouverai le chien. Tous les chiens aiment les friandises. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi c'est là? Vas-y, vas-y, vas-y. Là, va à l'intérieur, vas-y. Bingo. Oh, il n'y a personne. C'est important de ne pas aboyer maintenant. Oh, je n'ai pas pu me retenir. Je t'ai. Blake, hein? Regarde qui j'ai trouvé ici. Le chien rentre à la maison. Et toi, tu es puni. Regarde. C'est ta première fois ici? Non. Wow. Et j'ai amené mon chien une seule fois. Tu as un chien? Oh, j'adore les animaux de compagnie. Regarde. C'est qui le bon garçon? Il faut que je sorte d'ici. Aucun moyen de sortir d'ici. Ah, j'ai encore trop salé. J'en mettrai moins la prochaine fois. Oh, Zach a besoin de mon aide. Oh, je ne peux pas le regarder, il est si triste. Je dois prendre la clé. Un, deux, trois cookies, quatre biscuits, tellement de cookies. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! C'était plus facile que je ne le pensais.
Pourquoi est-ce qu'ils engagent ces gens? Oh, Blakey! Tu es mon sauveur! Oh! Nous devons nous dépêcher, Luna nous attend! Hé, tu as 3 minutes de retard! Désolé, j'ai eu un accident! Oh non! Éloigne ça de moi! Je croyais que tu aimais les chiens! Non, j'aime les chats! Ce chien en plus abîmait mes chaussures! Ce rendez-vous est gâché! Non, stop! Luna! Blakey! Blake! Hein? Oh, trop mignon! C'est ton chien? Ah, j'ai un chien aussi! Oh, si mignon! Désolé, quel est ton nom? Il craque toujours pour les gens qui aiment les chats. Je dois même l'aider dans sa vie amoureuse. Oh! Je vais te faire prendre un bain. Oh, voyons ce qu'il y a là-dedans. Oh. Ah, Sarah, tu es prête? Lily! Papa, je me lave les cheveux. 5 minutes, pas. 5 minutes. J'ai trouvé. Lily! Papa! Tu pèses une tonne! Oh, ça, c'est du shampoing pour les vrais hommes. Oh, tu me rends si heureuse. Qu'est-ce qui t'arrive, ma petite Sarah? Hein? D'accord, je vais te commander à manger. Oh, le livreur arrivera demain à 9h. Ah. Bonjour, papa. Où sont mes chaussures? Aucune idée. Qu'est-ce que tu fais? Stop! Rends-moi ça! Oh, merci. Lily, où est ma cravate? Merci. La voilà. Tu laisses traîner tes affaires partout. Lily, où est ma veste? C'est mes cheveux, ils tombent à cause du stress. Livraison de nourriture pour chien. Mais on n'a pas de chien. C'est moi un chien en peluche. Excusez-nous. Au revoir. De la nourriture pour chien, Lily, sérieux, c'est juste un doudou. Attends! J'espère que papa n'est pas rentré. Hé, viens là. Où je vais cacher ça? Parfait. Hé, tu veux aller faire une balade? C'est parti. Miam. Je crois qu'on va devoir trouver une nouvelle maison à Sarah. Ce céréal bon marché. Ou un drôle de goût. Mais moi j'aime bien. Quoi? Bien dormi, ma petite beauté. Lily, debout. Allez, Lily. Debout, Lily. Debout, debout. Ah, bonjour, Lily. Bonjour, papa. Stop. Papa? Qu'est-ce qui va pas? J'ai besoin de plus de sommeil.
tu... Hein? Oh, te voilà. Non, attends. Je le savais. Oh non. Tu m'as menti pendant tout ce temps. Désolé, pas. On ne ment pas à ses parents. C'est pas juste. Allez, viens là, viens par là. Viens là. Va-t'en. Va-t'en. Je veux plus te voir. Allez. Va-t'en. Attends, chien, viens là. Attends. Elle est partie. Pourquoi t'as fait ça? Tu vas me manquer. Moi. Mais tu n'as pas de chien. C'est vrai, je n'ai plus de chien maintenant. Quoi? Oh, oh, eh bien, quel long périple. Hein? Oh, coucou toi. Oh, oh, tu es si jolie. Tu sais, ma fille voudrait vraiment avoir un chien. Viens avec moi, allez. Oh, bonjour, monsieur Dupont. Hein? Un chien? Mais ils n'ont pas de chien. Oh là là. Oh, je suis papa, désolée. Oh. Es heureuse ici. Oh, ma chérie. Oh, oh. Mon toutou. Hein? Oh, elle n'avait pas de maître. Elle va vivre avec nous, d'accord? Papa, s'il te plaît. Allez, dis oui. Bon, d'accord, d'accord. Oui. Merci. Allons nous promener. Merci. Allons nous promener. Oh, Burke. Oh, oh. Chérie? Bah quoi? Moi, je trouve ça très bon. Je suis bientôt prête pour l'école. Passe une bonne journée, chérie. Mince, j'ai failli oublier. Enfin, elle est partie. Je vais pouvoir me changer. Terminer les vêtements basiques. Ah, c'est mieux. Je me sens enfin moi-même. J'adore cette couleur de rouge à lèvres. Lexi? Ah, maman? Je peux t'expliquer. T'as plutôt intérêt. Hein? Je suis en retard. Attendez, quelle heure il est? Ouf, on est samedi. Je vais pouvoir traîner au lit. Ah, la belle vie. Rien de tel qu'un bon café pour commencer la journée. Il faut que je fasse le ménage. Oh, j'adore cette chanson. C'est quoi ce bruit? La la la, le ménage du samedi. C'est le meilleur moment de la semaine. Rien de tel qu'un bon coup de propre. Silence! Tiens, on dirait que ça a marché. Je vais enfin pouvoir me rendormir. Je suis en pleine forme. C'est la journée idéale pour bricoler. Ah! Prends ça. C'est un bon moyen de relâcher la pression. Ça ne fonctionne pas. Il faut que je réfléchisse. Ah! J'ai trouvé! Voilà ce qu'il me faut. Rien ne peut m'arrêter. Je suis une vraie perceuse. Oh yeah! Oh, c'est pas vrai! Elle est vraiment obligée de faire ça? Et maintenant? Wouhou! Cette pièce est comme neuve! Et voilà le travail! Encore une bonne chose de faite! Phew! C'est pas de tout repos! Je vais faire une petite sieste! Enfin! C'est l'heure de me préparer! Chut! Je dois rester discrète! Surtout, ne te réveille pas! Doucement! Voilà. Je prends mes clés. Pas de mouvement brusque. Oups! Faites qu'elle dorme encore. Comme un bébé. Bon, allez,
J'y vais. À plus. Tu vas quelque part. Maman, tu es en train de rêver. Je crois que tu oublies quelque chose. Mais maman, j'ai pas envie de travailler. C'est bientôt l'heure de mon rencard. J'ai tellement hâte. Oh, le voilà. Salut bébé. Salut. Tiens, c'est pour toi. C'est qui? Maman! Il faut que je regarde de plus près. Bonjour. Il a très mauvais goût en matière de mode. Maman, tu me mets mal à l'aise. Une seconde. Ces fleurs me disent quelque chose. Tu as détruit mon jardin. Oh, fiche le camp. D'accord. On sort toujours ensemble, c'est déjà ça. Au revoir. Au revoir, maman. Je ferai bien de les surveiller. Merci pour les fleurs, elles sont superbes. Pas autant que toi. Ce serait pas ta mère? Non, c'est impossible. Mon déguisement a fonctionné. Ils ne sauront jamais que je suis là. Qu'est-ce qu'ils font? Tu es magnifique. Tu sais parler aux femmes. Oh, c'était quoi? Je sais pas, mais ça fait mal. Je vais faire comme si j'élaguais cet arbre. Regardez-moi ces feuilles. Quelle honte! Non mais... J'y crois pas! J'adore passer du temps avec toi. Ne prends pas trop tes aises, mon petit père. Ils sont bien trop proches l'un de l'autre. Qui entretient ce parc? C'est une catastrophe! C'est le moment idéal. Non, certainement pas. Hein? Il y a un truc dans l'arbre. Qu'est-ce qu'il se passe là-haut? Il y a des feuilles partout. Je peux tout voir. Oh! Oh! Maman? Tiens, c'est confortable. Waouh, incroyable! Lexi, regarde ce que j'ai trouvé. C'est quoi? Une soirée années 80? Non, c'est pas mon truc. Allez, ça va être amusant. On va se préparer. Qu'est-ce que tu portes? C'est très bien. Et toi, qu'est-ce que tu portes? Ça fait pas années 80, mais c'est mignon. Il faut qu'on arrange ça. C'est parti. J'ai la tête qui tourne. De quoi j'ai l'air? C'est bien mieux. Je me sens bizarre. Tu es superbe. Si tu le dis. Wouhou! On va danser? On est obligé? Regarde ça. Qu'est-ce que tu fais? Oh yeah! Au moins elle s'amuse. Viens par ici. Allez, amuse-toi un peu. Ah, d'accord. C'est vrai que c'est pas si mal finalement. C'est ça, Alexis. Regarde, maman. C'est la meilleure soirée de ma vie. Je danse trop bien. T'aurais dû venir. C'était fantastique. Il faut qu'on se voit plus souvent. Ouais, on n'a qu'à manger ensemble un de ces jours. J'ai vu une super jolie robe, mais maman ne veut pas me laisser sa carte. Attends, je te rappelle. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'il se passe? Je rêve ou quoi? Maman? C'est pas possible! Quel enfer! Oh, je déteste repasser. Bon, allez. Finalement, c'est pas si compliqué. Je m'en sors pas mal. Et voilà, un de fait. J'ai l'impression que ça ne finira jamais. Je ne dois laisser aucun pli. Allez, on continue. Ça a un côté hypnotisant. Comment maman peut aimer faire ça? C'est trop nul! Et il y a tellement de vêtements! J'ai presque fini. Voilà, je crois que c'est bon. C'est le dernier. Ah! Je croyais les avoir pliés. Comment je vais faire maintenant? J'ai plus le temps. Je veux que les documents me soient envoyés ce soir au plus tard. Une seconde. Qu'est-ce qui s'est passé ici?
Salut, maman. J'ai fait le repassage, en quelque sorte. Oh, je dois tout faire moi-même. Regarde-moi ce bazar. Je t'ai demandé une chose. Pousse-toi de là. Je vais le faire moi-même. Et dire que j'ai encore du travail. Ah, d'accord, je suis dessus. Bon, non, envoyez-les tout de suite. Je les ai reçus, merci. Je crois que c'est tout bon. J'ai besoin d'un café. Comment elle fait? C'est incroyable! Waouh! Allons-y, monsieur Licorne. J'ai pas de parachute. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Lexi, tu es réveillée? Ah! Tu ne mourras pas. Je ne suis pas un lapin de 3 semaines. Pas à moi. Psst! Lexi! Je sais comment prouver qu'elle fait semblant de dormir. Aïe! Je vais y aller à la torche. Maman? Qu'est-ce que tu fais? Je le savais. Pourquoi tu ne dors pas? C'est l'heure de dormir, jeune fille. Au dodo et tout de suite. Elle est dingue. Maman! Je t'ai à l'œil, Lexi. Il faut que je me trouve un appart. Nos mamans se soucieront toujours de nous, mais soyons honnêtes, elles peuvent parfois nous rendre fous. Quelles sont les choses mignonnes que votre maman fait pour vous? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis. Et de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos amusantes comme celle-ci.